Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui du pardon. Le pardon, c'est le choix que fait une personne blessée ou agressée de renoncer au ressentiment et à la vengeance envers son ou ses agresseurs. Il ne s'agit ni d'effacer, ni d'oublier, ni de banaliser ce qui s'est passé. Pardonner, c'est décider de s'en libérer et de ne plus en souffrir. Un proverbe dit « Pardonne aux autres, non parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. » Car le ressentiment, la haine et le désir de vengeance sont une forme de souffrance supplémentaire pour qui a du mal à pardonner. L'agression ou l'offense n'arrivent alors pas à devenir une souffrance passée, mais restent une souffrance actuelle. Le pardon ne suppose pas que l'on devienne l'ami de l'agresseur, ni qu'on renonce à ce que justice et non vengeance soient faites. Au contraire, la justice facilite cette démarche et l'injustice ou la non-justice la complique. Par ailleurs, la décision du pardon doit être librement consentie et ne peut en aucun cas être imposée. Elle doit partir de nous-mêmes, du plus profond de nous-mêmes. C'est sans doute un des efforts psychologiques parmi les plus difficiles que nous ayons à accomplir dans une vie humaine. La démarche du pardon ne peut donc être ni contrainte ni superficielle. C'est pour cela qu'elle impose un examen attentif de notre vie intérieure. Les chercheurs en psychologie du pardon nous expliquent qu'il en existe deux formes successives, décisionnelle et émotionnelle. La première est celle dans laquelle on choisit la décision du pardon en toute conscience et en toute liberté. La seconde est celle dans laquelle ce choix est peu à peu intégré et accepté au plus profond de nous. Difficile ? Oui, très difficile. C'est pourquoi le pardon est un processus qui prend du temps et qui comporte plusieurs étapes. D'abord, accepter de revenir sur ce que nous avons subi, rouvrir la plaie pour la nettoyer. Ne le faisons que quand nous nous sentons prêts, quand nous avons commencé à être consolés, quand nous ne sommes plus en danger. Puis, voir ce que tout cela a déclenché et qui reste présent en nous aujourd'hui. Voir ce que le ressentiment nous inflige encore comme souffrance, haine, désir de vengeance, désir de faire souffrir, nous aussi. Parfois, étonnamment, on peut s'en vouloir d'avoir été victime et on héberge une obscure envie de se faire soi-même du mal. Puis, se tourner vers nos idéaux qui ont été blessés, eux aussi. Car les blessures des traumatismes portent sur notre personne, corps et esprit, mais également sur notre vision du monde. Il est alors aussi douloureux que nécessaire d'examiner nos valeurs meurtries, de comprendre ce qu'elles avaient peut-être de chimérique. Ne pas céder à la tentation de renoncer à nos idéaux, mais faire qu'ils sortent de l'épreuve plus réaliste et plus robuste. Même si nous avons été blessés, la vie garde encore un sens et la plupart des humains restent nos frères et nos sœurs. Pour toutes ces raisons, le pardon est un processus complexe, long et douloureux. Ce qui est facile, c'est de ne pas pardonner. Mais pour difficile qu'il soit, ce cheminement est aussi fécond et transforme profondément la personne qui pardonne. Vladimir Yankelevitch écrivait « Il y a une chose que Dieu lui-même ne sait pas faire, faire que les choses faites n'aient jamais été faites. » Le pardon n'efface rien, mais le pardon libère là où le ressentiment asservit. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.